Salut tout le monde. Donc là, je vous ai trouvé un after patch qui a été sorti par un espagnol. Donc ça a été sorti hier soir, dans la nuit. Donc il vous faudra être deux, par contre. Donc votre ami, il aura juste à faire. Il se met en session sur invitation et il lance une mission titan. Donc il se met dans le menu où il y a le choix des joueurs. Et lui, pour lui, c'est bon. Il vous aura aidé. Vous, il vous faudra obligatoirement être dans une session normale, session publique. Ça marchera pas sur session ami. D'accord? Vous n'arriverez pas à avoir le timing. Donc pareil, il vous faudra un camion, des fagots, un club de motards et une voiture custom dans le camion. D'accord? Donc la voiture que vous voulez dupliquer, vous la mettez dans le camion, vous mettez un club de motards. Il va falloir commander un fagot et rentrer dans le camion. D'accord? Donc je vous montre, fagot, vous mettez tri par prix, vous achetez des fagots là. D'accord? Bon, moi j'en avais pas, je suis obligé d'en acheter deux et on va attendre un peu. Donc ce glitch, il est assez facile. Une fois qu'on a bien le timing, vous allez le réussir rapidement. Donc vous pourrez remplir vos garages ou finir de les remplir. Pour ceux qui suivent la page, faut y dire 1, 3, 4. Les gars, parlez-en autour de vous. Essayez de me faire un peu le buzz. Je compte sur vous, je sais que vous le faites déjà. Donc franchement, merci aux 2000 abonnés. Vous êtes génial, je me régale. Un petit pouce, abonnez-vous. Et pour les nouveaux glitches, mettez la cloche. Comme ça, vous aurez les glitches de suite. Parce que sinon, vous allez arriver et ils seront patchés. Parce que YouTube, il les met en retard. Donc là, on va attendre mes fagots, les gars. Donc j'ai commandé deux fagots. Je suis en club de motards. Je suis prêt. Mon ami, il est en session sur invitation. Et il a lancé une mission de titan. D'accord? Dans votre camion, il faudra que le module 3, il ait un garage de fonction. D'accord? Comme ça. Une fois que vous avez tous ces paramètres, il n'y a plus qu'à dupliquer. Donc désolé si mes lives bug, les gars. Le 14, j'ai la fibre. Et ça sera vraiment propre ce que je vais vous faire. D'accord? Donc je pourrais même vous filmer le live avec le Elgato. Donc c'est une capture d'image. Donc la qualité, elle sera au top. Vraiment à faire du bon boulot. Moi, je suis motivé. Donc, dès que j'ai reçu mes fagots, je vais commencer le glitch. Donc, ça va vous prendre 2 minutes à comprendre. Il faudra que j'aille dans le chat party, faire rejoindre session. Dès que j'ai rejoint la session, ça va me remettre dans mon camion avec ma voiture. Et en bas, il va avoir un lecteur de chargement. Dès que vous avez le lecteur de chargement, vous faites une accélération. Là, ça va vous mettre dans l'écran noir, il y aura le message, vous accepterez tous les messages. Si vous avez la voiture à l'extérieur, vous recommencez le glitch, vous rentrez le véhicule, et ensuite, vous ressortez, vous redemandez un fagot, vous recommencez la manip du départ. Donc là, vous voyez, j'ai reçu un fagot. Allez, donc là, je commande un fagot, je rentre dans mon camion. Je vais monter dans mon véhicule. Je vais faire PS léger. Je vais aller dans le chat party. Sur mon ami. Qui est dans la mission de Titan. Et en session sur invitation, les gars. Donc là, je vais dans le chat party. Je clique sur lui. Je clique sur la session. Là, en bas, il va y avoir un chargement. Boum, j'accélère. Et il faudra que vous ayez cet écran, comme ça, noir, avec les messages. Donc là, j'ai fail. D'accord? J'ai raté. Donc là, si vous voyez le véhicule comme ça, c'est que vous avez raté. Il y a juste à recommencer. Donc acceptez les messages, sinon ça va vous planter. Vous acceptez quand même les messages. Voilà, comme quoi le glitch, il marche pas à tous les coups. Donc si vous le faites bien, vous allez le réussir à tous les coups. Mais ça peut vous arriver de fail. Ok, on recommence. Donc je re-rentre la voiture, je ressors. Il va me falloir recommander un fagot. Donc après c'est sûr, en session publique ça va être compliqué, les gens vont vous piquer le camion, ils vont essayer de vous tirer dessus, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Faut se mettre en club de motard, vous pouvez pas être en passif. Donc faites le test avec une RH8 là, vous venez avec la RH8 comme on faisait avant, ça devrait marcher. Donc je ferai le test aussi. Allez, je commande mon fagot.
Je vais re-rentrer dans mon véhicule. Je vais faire PS et je vais aller dans le chat party rejoindre mon ami dans sa session, qui lui est dans la mission Titan toujours. Une fois que j'ai cliqué la session, ça va me remettre dans le camion. Et il va y avoir un écran de chargement en bas à droite. Dès que vous voyez cet écran de chargement, bim, vous accélérez. Là, ça doit vous faire un écran noir. Bam, vous acceptez les messages. Vous voyez, on n'a pas vu le véhicule à l'extérieur. C'est que ça a fonctionné. Donc des fois, vous pourrez avoir le véhicule normal, juste à rentrer dans le camion. D'accord? Ou alors, vous pourrez avoir comme moi là, je viens de bugger. Ça veut dire que le véhicule, il est bugué. Donc il va falloir faire une petite manip pour le débugger. Donc il va falloir prendre le camion, le déplacer, lancer une mission Martin, la quitter. Ce qui va permettre à votre véhicule d'être rapproché et il sera sur la map. Et là, le véhicule, logiquement, vous ne pourrez pas accélérer avec ce véhicule. Il sera bugué encore. Mais vous le verrez. Vous pourrez rentrer dedans, tout ça. Il vous suffira de prendre votre camion, de mettre le cul du camion devant le véhicule. Vous monterez dans le véhicule et vous faites flèche de droite. Il va rentrer, il va vous dire votre camion il est plein. Vous allez faire un échange de véhicules, ça veut dire le véhicule qui était dedans à la base va aller dans le garage à la place du Fadjo. Et vous allez mettre la duplication dans le camion et elle sera débuggée, vous inquiétez pas. Donc ça marchera quand même. Donc là vous voyez, j'ai les flics, c'est pas grave. Évitez d'avoir la police. Donc là, hop, je lance mission Martin. Donc je remercie Mamar, le poteau, il m'a aidé. Je remercie Mazer aussi, il m'a aidé toute la matinée. Donc j'ai fait pas mal de tests et j'ai galéré. Merci au poteau là qui m'aide pour faire les vidéos. Vous faites trop plaisir. Sérieux. Je peux compter sur vous, c'est terrible. Mission Martin, je la quitte. Je reviens dans le jeu, la voiture elle va être apparue à côté de moi. Mais elle sera encore buggée. Donc là, il va falloir que je l'aille avec mon camion, le mettre devant. D'accord? Donc suivant votre timing, si vous faites vraiment, quand tu auras le chargement, si vous faites vraiment au début du chargement, vous verrez que le véhicule, vous l'aurez à côté de vous. Donc ça buggera pas. Ou sinon, testez de faire R2. Donc sur l'autre glitch des fléchettes, au lieu de faire L2, vous faites R2. Et apparemment, ça empêche de que ça bug, quoi. Voilà, donc là j'ai mis le camion comme il faut. Je monte vite dans mon véhicule et je fais flèche de droite. Ça va me dire votre garage il est plein, hop, et j'ai fait l'échange. Bon, je l'ai réussi just. Mais vous, ça sera un peu plus facile, je pense, pour vous. Là, j'ai vraiment fail. Là, c'est bon, ça a marché, j'ai ma duplication, les gars. J'ai juste à recommander un Fadjo en sortant. Je recommande un Fadjo et je refais la même manipulation. Les gars, je fais une grosse bise. Profitez bien de ce glitch. Abonnez-vous. Rejoignez le crew à DH. Donc on est pas mal maintenant. Bis bis.